Alors, il y a eu un double mouvement. Le premier, la ministre des Outre-mer a nommé deux conseillers économiques euh, donc, au sein de l'équipe euh, projet. Et puis le deuxième mouvement, euh, donc, la délégation d'Outre-mer et également le groupe Outre-mer ont proposé au président donc, du CESE de mobiliser l'ensemble des sections et des délégations afin donc, de coproduire donc les voies et les moyens pour faire des propositions nouvelles en vue du développement économique de nos territoires. Les propositions partent d'un état des lieux. Euh, force est de constater que d'un territoire à un autre, euh, il y a une situation économique et sociale qui s'est aggravée durant les dernières années. Maintenant, il faut trouver les voies et les moyens pour sortir à la fois de ces situations d'urgence, mais aussi euh, trouver d'autres voies pour un développement durable. C'est ainsi que deux euh, préconisations, me semble-t-il, euh, euh, ressortent de cette étude, à savoir... Euh, euh, la question de la santé, qui est une priorité, l'ensemble des départements d'outre-mer euh, regroupe, je dirais quelque part, les déserts médicaux. Donc, il faut à la fois revisiter l'offre euh, de soins, parallèlement revoir donc le mode de financement, en particulier la tarification appliquée à l'acte et les coefficients correcteurs. Et puis, l'autre priorité, c'est bien entendu le développement économique. Mais encore une fois, il s'agit bien sûr de se positionner dans la transition. Donc éner énergétique. Euh, je crois que les Outre-mer, là également, il y a des situations qui sont euh, différenciées. Donc en, en Guyane, à titre d'exemple, où euh, l'énergie renouvelable est fortement euh, euh, est une réalité en, en Guyane, ce qui n'est pas le cas dans d'autres euh, pays et dans d'autres régions. L'autre axe important, c'est bien sûr. Euh, Comment euh, repenser l'aide au, au développement afin justement de se placer sur des activités nouvelles. Je pense au numérique, nous pensons également à la biodiversité. Et puis il faut inscrire nos régions dans cet environnement euh, régional. Euh, donc au niveau de la Caraïbe, donc, les relations avec euh, les pays donc, autour de la Martinique et de la, et de la Guadeloupe. De même pour la Guyane, dans ses relations avec le Brésil et le Suriname, et également donc pour le Pacifique. Je crois qu'il est fondamental d'inscrire le développement économique de ces territoires également dans leur environnement régional. La situation elle est assez paradoxale. À la fois, les autres mers présentent donc des indicateurs de développement économique, avec, à titre d'exemple, des territoires où il y a une forte création. D'entreprises, tout simplement parce qu'il faut répondre, bien entendu, à la question donc, du chômage, mais également nous constatons euh, paradoxalement que euh, la durée de vie de, de ces entreprises sont relativement courtes. Tout simplement euh, parce qu'il faut justement revisiter les différents outils permettant à ces euh, entreprises de, de se développer. C'est la question donc, euh, des dispositifs bancaires, qui est un véritable problème dans nos Outre-mer. C'est aussi la question à l'aide au développement, mais c'est aussi surtout comment accompagner ces entreprises afin qu'elles se développent. Donc oui, il y a ces situations paradoxales où est-ce que nous devons maintenant trouver cette fois-ci d'autres outils permettant donc à ces entreprises de se développer davantage. Parce qu'il faut relever un deuxième défi, je crois qu'il est tout aussi important, c'est la question de l'emploi. Donc il y a à peu près plus de 22% de la population en moyenne qui est à la recherche d'un emploi. Ce, ce, ce chiffre est de plus de 40% par rapport à notre jeunesse. Donc il est fondamental justement que, cette, que ce développement économique, que cette activité économique soit bien sûr une réponse par rapport donc, à l'emploi, je dirais, de, de cette jeunesse. Et puis bien sûr c'est la question de la formation. Beaucoup de jeunes sortent très tôt du système scolaire à la fois euh, euh, parce que donc, euh, il y a des problèmes donc, de capacité d'accueil, mais il y a aussi des problèmes donc, pédagogiques. Donc là également, je crois qu'il y a tout un travail à, à réaliser. Et forcément, donc, ce sont des sujets qui sont importants par rapport donc, aux objectifs que se sont donc assignés ces assises.